Bonjour mes élèves, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes en bonne santé. Pour commencer, j'aimerais vous féliciter, vous remercier parce que en tant que citoyen responsable, vous faites votre part en restant chez vous. Il est vrai que en classe, nous avons beaucoup parlé du sens des responsabilités en tant que valeur que nous appliquons à l'école, que nous appliquons partout aussi. Et aujourd'hui, c'est le moment de montrer que nous avons bien appris cette valeur et que nous l'appliquons aussi à la maison. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut se montrer responsable même à la maison? Eh bien, toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Donc, tout ce que je peux faire pour partir au quotidien et rendre les tâches plus faciles aux membres de ma famille, mais toutes ces choses sont bonnes. Ça veut dire que je commence déjà par être autonome, m'occuper de moi-même, aider mes parents autant que possible, m'occuper de mon petit frère ou de ma petite sœur si nécessaire, lorsque mes parents ne peuvent pas le faire ou qu'ils sont occupés à autre chose. Ensuite, vous vous rappelez que nous avons, lorsque nous avions des ordinateurs en classe, nous avons exploré une ressource qui s'appelle la souris web.org et nous allions de temps en temps faire des jeux de mathématiques et de français dans cette ressource. Eh bien, c'est aussi l'occasion de vous y rendre pour ceux qui ont un ordinateur qui est connecté à Internet pour aller revoir un petit peu les notions que nous avons abordées en géométrie, en arithmétique et puis en grammaire aussi. Pour finir, je vous dirai que je souhaite vous voir très très bientôt et ça va bien aller.